Coffee, baby. Don't make me cry. Don't make me sigh. Coffee, baby. Don't make me cry. Don't make me sigh. Oh, you will find I'm a real motherfucker. Gonna take you sur toutes les écoles que j'ai étudiées, c'est la seule qui me permet d'aller aux États-Unis en ayant un diplôme américain. Ce que le CFAM avait de plus par rapport aux autres écoles, c'était cette formation en partenariat avec les universités américaines et l'obtention du double diplôme. You have an American environment in France, and that's what made me choose CFAM, because I get both the good side of France and the good side of America, which is the school system. On a des professionnels, des intervenants qui sont très qualifiés, et on se rend compte que quand on est sur le terrain, c'est ce qui fait la différence et ce qui fait qu'un CV passera sur un autre et qu'on est embauché, par exemple. Vu que c'est une petite école, en fait, on se connaît tous et c'est un peu plus facile de s'intégrer. It's basically like an American school. Everything's run in English. It's very comparable to the school that I'm in at Temple University. But the only difference would be that it's a lot more intimate because it's a smaller school. You have a lot, the teachers pay a lot more attention to you because it is a smaller school. Pour entrer au CFAM, il faut des connaissances de base, comprendre ce qu'on nous dit et être capable de se faire comprendre à son tour. Quand tu arrives au CFAM en première année, tu es complètement immergé dans l'anglais, donc au bout de 3 mois, après parler anglais 24 sur 24, ça se fait tout seul, naturellement. Les profs s'adaptent au début, on a un petit temps d'adaptation, je dirais 6 semaines, 9 semaines. Et puis à un moment, on s'aperçoit que de toute manière, on comprend les cours sans vraiment y faire attention, et c'est là que c'est le déclic. Les profs s'adaptent énormément aux élèves, c'est-à-dire que si les élèves posent une question, ils peuvent la poser une ou deux fois ou trois fois, ils vont toujours essayer de réexpliquer avec d'autres mots. On a un emploi du temps assez bien aménagé, justement, ce qui peut permettre de travailler, puisqu'on a à peu près une vingtaine d'heures de cours, donc ce qui permet à côté, même si on a des heures de travail personnelles, de trouver un petit emploi jeune, ouais, pour financer les études. J'ai travaillé les premières et les deuxièmes années, et je travaillais, j'avais un contrat de 15 heures, ce qui n'était pas un problème. J'arrivais à assumer mon travail et mon école. J'ai financé mon école à 100%, j'ai fait des prêts que j'ai remboursés. On a moins d'heures de cours par semaine qu'au lycée, et ça nous permet d'avoir assez de temps libre pour pouvoir essayer de se débrouiller financièrement. Ouais. En termes de technologie, je trouve que c'est un peu la pointe. Donc c'est vraiment l'idéal, en fait, pour étudier, pour un étudiant actuellement. On rentre vraiment dans un environnement déjà très professionnel. C'est très grand, c'est très, très aéré. Niveau technologie, on est au top de la technologie, puisque toutes les salles sont munies d'informatique, on a le Wi-Fi. Et puis c'est très grand et c'est très bien fait, je pense. C'est très agréable de travailler dans un bâtiment neuf, propre, fonctionnel. Donc bien sûr, bon, pour ce qui est des cours, on a tout ce qu'il faut. On a les télés, on a les rétroprojecteurs, on a les imprimantes, les ordinateurs à disposition. En plus, architecturalement, le bâtiment est très agréable. Donc c'est toujours agréable de travailler dans de bonnes conditions. Et je pense que ça aide, c'est aussi une force du CFAM, ça aide à se sentir bien pour les cours, à se sentir bien pour travailler. Tout le rapprochement du matériel, comme les salles informatisées qu'on n'avait pas au CFAM avant, une bibliothèque adéquate, un Wi-Fi de partout et des salles mieux équipées, ça peut être que meilleur pour l'enseignement. On peut venir travailler ici de 8h jusqu'à 8h le soir et donc du coup c'est vrai que c'est pratique pour un bon nombre d'entre nous, surtout les gens qui sont étrangers, qui n'ont pas forcément d'ordinateur ou qui viennent sur Lyon sans internet. Coffee, baby.